Près de 3000 partisans étaient rassemblés à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour la rentrée politique 2024 du COGEP. L'ex-leader des jeunes patriotes ivoiriens s'est de nouveau posé en alternative à l'ancienne garde politique ivoirienne et dit prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, se gardant toutefois d'annoncer clairement sa candidature. C'est un jeu. Les autres n'ont pas encore poussé le ballon. Dégagne les premiers, t'es un homme mort. Non, j'attends. J'ai entendu ce que vous avez dit. J'ai compris ce que vous avez dit. J'ai entendu votre message. La seule chose que je peux vous dire ce soir, après tout ce que je viens dégrainer ce soir, je suis prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire. J'ai eu 12 ans pour réfléchir sur la Côte d'Ivoire, seul, dans une cellule. Charles Blégoudé n'envisage pas non plus être inactif pour le prochain scrutin d'octobre 2025. Radié de la liste électorale en raison de sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, Charles Blégoudé devra, pour faire valider une éventuelle candidature, être d'abord amnistié par le chef de l'État.